Bonjour à chacun. Ouais, ça fait du bien, hein. On est ensemble, et le Seigneur est avec nous, c'est lui qui nous accueille ce matin. Alors on peut dire qu'on est dans la joie, parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Je sais que chacun, on a des circonstances diverses, certains arrivent avec des soucis, des fardeaux, d'autres ont eu une réponse à la prière et ils viennent pour se réjouir. Et on met tout cela ensemble, on met tout cela devant le Seigneur, et c'est lui qui nous accueille. Et à certains, ils disent, ben, je me réjouis avec toi. Et à d'autres, ils disent, je vais m'occuper de toi, je prends soin de toi, tu es mon enfant. Alors ce matin, ensemble, nous allons le louer, nous allons l'adorer, et nous allons célébrer les papas. Et célébrer aussi notre papa céleste, évidemment, l'ensemble. Mais je veux... Tout d'abord, je regarde un petit peu, je regarde les papas, je me dis, waouh, quelle belle brochette de papa. Il y en a qui sont papas depuis très longtemps, d'autres nouvellement. Mais je veux souhaiter à chacun une bonne fête des papas. C'est magnifique, j'ai dit à mon fils hier, c'est chouette, demain on ne fera pas la vaisselle. Et puis certains autres m'ont dit, ben, nous on ne la fait jamais. Chacun ses traditions, dans notre famille c'est un peu la tradition, le jour de la fête des mères, nous les hommes on fait la vaisselle, et puis le jour de la fête des pères, on est exempté de vaisselle. J'espère que votre semaine a été bonne, je suis revenu de voyage, merci d'avoir prié durant ce voyage. Je disais à un des frères, c'est étonnant, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus les gens aiment confier des fardeaux, des soucis. Et donc j'ai passé beaucoup d'heures à écouter des fardeaux, des soucis, des situations de famille, des situations d'église, mais je sais que le Seigneur est grand assez que pour répondre à chacun des soucis et qu'il a une réponse particulière, individuelle pour chacune des personnes dans la souffrance. Mais c'est difficile parfois pour un pasteur de voir son église qui diminue et qui est prête à s'éteindre. Et pour certains, c'est toute une vie qu'ils ont passée dans le pastorat et puis... Ça a l'air de se terminer difficilement. J'ai été avec ce frère de 76 ans qui voit son église au bord. Et bon, ce sont des larmes. Mais on sait que le Seigneur est là, qu'il répond à nos prières et on veut continuer à se soutenir les uns les autres. Continuez à prier les uns pour les autres. Je vous remettrai Victor qui n'est pas avec nous. Et vous savez, quand il n'est pas là, c'est qu'il ne sait pas être là. Mais bon, il a toujours cette douleur très très forte. Très difficile de se déplacer et donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui, même si je pense qu'il nous regarde et on lui souhaite aussi bonne fête, Pépé, en cette journée spéciale. Luc, tu es déjà revenu la semaine passée, je crois. Ouais. Bon, on est content que ça fait deux fois d'affilée, c'est que tu es en forme. On est content que tu sois là. Aujourd'hui, c'est Samuel qui va nous conduire. Je crois qu'il a préparé des surprises, de la joie, de l'enthousiasme. Alors, s'il sait garder les yeux ouverts, ça va être vraiment bien. Et nous l'accueillons. Bonjour à chacun. C'est vrai que c'est un plaisir d'être ici avec vous, entre frères et sœurs. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de bien. Et surtout parce qu'on est ici pour louer le Seigneur et pour justement rencontrer le Seigneur et entendre ce qu'il a justement à nous dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un mois, il y a une équipe qui part au Rwanda, vous le savez bien. Et pendant cette année, on a préparé certaines choses, on a préparé des sketchs, on a préparé des mimes, on a fait des réunions sur certains thèmes, on avait de la lecture ensemble, on avait des petites devoirs à faire, et j'aimerais bien un petit peu expliquer ce qu'on a fait, etc. Et à un moment donné, c'est vrai que nous aurons un mime, pour un peu expliquer, vous montrer ce qu'on va faire là aussi, un petit peu enfin. Donc voilà, et le premier chant que j'ai choisi c'est « Je te donne tout ». Et j'ai pris ce chant parce que c'est une question. C'est vrai que quand je suis parti au Rwanda, au Sénégal, une des choses qui m'avait frappé, c'est que les gens regardaient plus que de parler. Et ici, ce chant qui dit « Je te donne tout », quelque part, ben, le Seigneur, il dit, tu sais, ne parle pas, arrête de parler, mais montre-le-moi.
Et c'est une question que je vous pose à vous. Est-ce que toi, tu donnes tout à Dieu? Est-ce que toute ta vie est à Dieu? Parce que parfois, on dit, oh, moi, le Seigneur, voilà, il a 98% de ma confiance, mais je garde quand même un petit quelque chose. Et vous savez ce que le Seigneur vous dit? Ben, tu sais, les 98%, ben, garde-les comme ça, tu auras 100% pour toi. Ou tu me donnes les 100%, ou tu gardes tout. Et c'est ça que je voulais prendre ce chant, je te donne tout, parce que c'est vrai que quand on met sa confiance entre les mains de Dieu, quand on met son pardon, quand on met toutes ces choses devant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aimerais commencer par ce chant, je te donne tout. Je te donne mon cœur.
chanté, ton cœur lui appartient. J'aimerais prier pour remettre cette rencontre dans les mains de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu, parce que tu es celui qui pardonne, tu es celui qui sauve, tu es celui qui donne toujours une chance. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu nous as pardonné, tu nous as aimés. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que nous sommes ici ce matin. Merci parce qu'on a l'occasion d'être entre frères et sœurs pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer, mon Père. Et puis nous voulons te remettre toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas cette chance, Seigneur, qui sont à la maison, Seigneur. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te les remettre, te demander, Seigneur, que ta présence soit avec eux aussi, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Montre-leur que tu es un Père extraordinaire. Et nous voulons encore te remercier, mon Père, parce que nous savons que tu as des choses à nous dire, à nous montrer ce matin. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour ta présence. Notre Fils Jésus-Christ, amen. J'aimerais continuer et prendre le prochain chant. Et le chant, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». J'ai pris ce chant parce que c'est vrai que quand on lui donne sa vie, quand on lui appartient, quand on met tout devant lui, ben, Seigneur, il nous fait grâce de nous pardonner, tout simplement. Je vais un petit peu parler de ce qu'on fait
dans les réunions pour le Rwanda. C'est vrai qu'une des choses qu'on fait, qu'on a appris à faire, c'est prendre une situation de notre vie, qu'on vit tous les jours, une situation qu'on a vécue, et d'essayer de voir ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cette situation. Un petit exemple, la première fois qu'on est parti au Sénégal, on a commencé à aller dans une école, et la première des choses qu'on a fait, on a déblayé une pièce, l'école, on a déblayé une classe. Après l'avoir déblayée, on l'a nettoyée parce qu'elle était dégueulasse. Après l'avoir nettoyée, mais on l'a remis tout en couleur parce qu'il fallait remettre un coup de peinture. Et quand on a eu fini tout ça, on a repris les meubles et on les a remis dans la classe. Et qu'est-ce que le Seigneur, quelle leçon est-ce que le Seigneur a par rapport à ça? Mais tout simplement, c'est que dans une vie, parfois le Seigneur voit qu'à l'intérieur de nous, on est dégueulasse. Et quand le Seigneur rentre dans une vie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il balaye. Et il commence à balayer et acheter tout ce qu'il y a. Et puis il fait le ménage. Il bouge tout ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies. Et puis, malgré ça, ce n'est pas encore très propre. Donc le Seigneur, il remet un coup de peinture. Et quand tout est terminé, ben, le Seigneur, il commence à remettre le mobilier. Mais il ne remet pas tout le mobilier, parce que dans le mobilier, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on regardait avec les gens qui partent au Rwanda. Et puis, on en a déjà raconté beaucoup là, mais je ne vais pas... Mais une des choses que je me suis rappelé, c'est le premier voyage que j'ai fait au Sénégal. On était parti et on allait, je ne sais plus, je crois qu'on allait nettoyer dans un hôpital. Et nous voilà montés dans le petit bus et on commence à prendre le bus, tout le monde dans le bus. Et le bus, vous savez là, on roule comme ça, on a l'impression qu'on a des roues carrées et ça va comme ça. Quand on partait le soir, on avait toujours peur parce qu'il y a un phare qui donne complètement là et l'autre qui clignote. Et c'est vraiment terrible. Et à un moment donné, on entend « pap !» Le chauffeur s'arrête, crevaison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout le monde descend et puis on attend. Et puis le chauffeur était là et la première des choses que le chauffeur fait, ben, il va voir après sa roue de secours pour changer. Et manque de bol, pas de roue de secours. Alors, quelle était la solution? Donc, on est là, il est au bord de la route. Et à un moment donné, il y a des automobilistes qui passent. Et puis à un moment donné, il y en a un qui s'arrête. Et c'était justement un Français. Et je vous raconte qu'il avait une de ses babines. Enfin, il commence à parler. Et puis, on lui explique la situation. Et puis, il dit, écoutez, moi, je ne saurais pas vous aider parce que la roue de mon auto ne peut pas aller sur votre petit bus. OK, il repart. Et puis, on attend. Et puis, justement, un bus plus ou moins le même arrive. Et il s'arrête. Il commence à discuter avec le chauffeur. Et le chauffeur lui explique qu'il a une crevaison. Et l'autre chauffeur dit, écoute, je vais aller voir si j'ai un pneu de rechange. Et justement, il en avait un. C'était peut-être pas tout à fait le même, mais on est arrivé à le mettre. Et puis, alors le chauffeur qui venait de lui donner le pneu, il dit comme ça, le jour que je te revois ou que tu vois quelqu'un qui est dans la même situation, n'oublie pas, toi, de lui donner le pneu aussi. Hein. Là, c'est un petit peu comme ça, je te le donne, mais s'il y en a un qui en a besoin, après, toi, tu lui rendras, etc. Et ça, c'est la situation qu'on a vécue là-bas. Et je me suis dit, quelle est la chose que le Seigneur peut nous dire par rapport à cette situation? Mais tout simplement qu'on est sur un chemin, tous, que tu sois chrétien ou pas, on est sur un chemin, parfois sur le même chemin pendant un temps. Et puis à un moment donné, tu te retrouves sur le bord du chemin, à cause d'une situation dans ta vie, à cause d'un péché, tout simplement, et tu es au bord du chemin. Et tu ne sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de réparer par toi-même. Et puis tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Le péché est tellement ancré dans ta vie que tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais il y en a qui essayent, et on essaye encore. Puis il y en a qui se rendent compte que je ne sais peut-être pas faire moi-même. Et puis il y a quelqu'un qui passe, et cette personne, elle est là, elle parle beaucoup, elle dit plein de choses, mais elle n'a rien de concret à amener. On se rend compte que c'est des gens qui sont là, mais malheureusement, peut-être des mauvaises compagnies, certaines choses. Et puis à un moment donné, quelqu'un qui connaît le Seigneur passe. Et commence à parler de Dieu, et commence à t'expliquer que lui a la solution pour ta vie. Et puis alors toi tu es là, et tu acceptes ou tu n'acceptes pas, et puis alors tu acceptes, et tu prends cette roue de secours que le Seigneur te donne, et te le mets, et tu peux continuer ton chemin. Et ce que le Seigneur dit aussi, n'oublie pas que ce que je t'ai donné, la roue de secours, le jour que quelqu'un est sur le bord du chemin, arrête-toi, et donne-lui aussi. Et ça, ce sont des situations que
qu'on a dans la vie. Et c'est ça qu'on regardait ensemble, l'équipe de Rwanda, regardait toutes ces choses, d'essayer de savoir, quand il y a une situation dans notre vie, ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et j'espère que quand on sera là-bas, qu'on va avoir plein de situations comme ça, et qu'on puisse venir ici pour vous les raconter, vous dire ce que le Seigneur nous a vraiment montré. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais prendre encore un chant, c'est justement « Entre tes mains, j'abandonne ». Parce que c'est vrai que si tu abandonnes toute ta vie entre ses mains, alors ce n'est que du bonheur. Une question et on me disait est-ce que le chrétien ne prend pas Satan à la légère? Et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on prendrait Satan à la légère? Parce qu'on a l'impression que parfois les gens prennent un peu le péché à la légère. Ouais, tu sais, et on fait quand même rien de mal. Hein? Ouais, on fait comme tout le monde, il faut que jeunesse se passe, il faut, vous savez, toutes les excuses qu'on donne et que j'ai données aussi, bien sûr. Toutes ces choses, et on se dit, on fait quand même rien de mal. Et je me suis dit, mais Satan, il est là pour ça. Est-ce qu'au départ, Satan n'a pas dit à Adam et à Ève, est-ce que le Seigneur a réellement dit ça?
Est-ce que tu es sûr qu'il a dit ça? Bon, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Il est là pour nous mettre le doute. Et Satan, il va tout doucement. Une fois, on a fait des expériences. Et cette expérience, c'est vous prenez une grande bassine d'eau et vous la mettez sur un gros bec et vous allumez le bec à fond. Et l'eau commence à chauffer. Et ça boue, et ça boue, et ça boue. Et à un moment donné, elle est extraordinairement chaude. Vous attrapez une grenouille et vous tapez la grenouille dedans. Et vous savez ce que la grenouille va faire? La grenouille, elle va sauter directement dehors. Par contre, vous prenez la même bassine et vous mettez une température que la grenouille aime bien. Vous mettez la grenouille, vous attrapez la grenouille, vous mettez la grenouille dedans. Et la grenouille, elle est bien, donc elle reste dedans. Et vous allumez le feu, mais tout doucement, mais vraiment doucement. Vraiment, vraiment doucement. Et l'eau, elle va monter, tout doucement, en température. Et la grenouille n'est jamais sortie, elle est restée dedans. Elle a été ébouillantée. Et Satan, ben, il fait un petit peu comme ça aussi. Est-ce que vous croyez qu'il va arriver, il va dire, « Samuel, demain, tu seras un ivrogne. » Vous croyez que c'est comme ça qu'il va prendre? Vous croyez que c'est comme ça qu'il fait? Non. Il va comme on l'a vu ici, il va tout doucement. Il fait tout doucement. Et alors je me suis dit, c'est vrai que parfois on prend certaines choses à la légère, parce que c'est pas grave. Mais peut-être que tu es dans la bassine avec le feu qui est mis tout doucement. Et si tu ne t'en rends pas compte, ben, tu risques d'y rester. Alors fais confiance à Dieu, lis sa parole et à un moment donné, il va te montrer quelle est sa volonté. Voilà. Et j'aimerais prendre deux chants et après nous aurons un mime. Pour construire ma vie.
Ben, vous savez quoi? Le Seigneur m'a délivré aussi, moi. Moi aussi! Moi aussi, il m'a délivré. Je t'aime.
Le petit mime que vous a présenté, donc c'est un mime qu'on va présenter là. Bien sûr, vous avez compris, ça parle du péché, ça parle de la repentance. Et à la fin du mime, bien sûr, un de l'équipe ou un autre qui fera partie de l'équipe viendra donner un mot de témoignage. Et ici, c'est Cathy qui aimerait bien parler un petit peu de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Oui, le péché, c'est sale. Mais grâce au sang de Jésus-Christ, j'ai été lavée. En naissant, j'ai été directement abandonnée. Puis, plus tard, en tant qu'adulte, je suis tombée dans l'alcool, dans la drogue et dans les relations. Et puis, j'étais seule. Et puis, un jour, il y a 18 ans, le Seigneur est rentré dans mon cœur. Il m'a parlé, il m'a complètement acceptée. Et j'ai compris qu'il a donné sa vie pour moi. Il a pris ma place. Il a versé son sang pour me laver, pour me rendre pure, pour être purifiée et être près de lui éternellement. Aujourd'hui, c'est l'amour, la prière, la grande famille. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez derrière l'équipe, parce que c'est vos prières qui vont faire avancer ce que nous autres, nous allons annoncer là-bas. Alors que vos prières accompagnent toute l'équipe. Merci. Et j'aimerais prendre encore un chant et puis nous aurons notre message.
pourrait presque arrêter maintenant, non? On a eu une parole du Seigneur déjà. J'espère que vous avez entendu les différentes paroles que le Seigneur a voulu nous donner, que ce soit par un des chants. Moi, j'étais ici avant, pendant la répétition, et j'ai dit aux musiciens, on devrait mettre un avertissement sur ces chants. Parole trop intense. Et on les a chantés. On a décidé de tout donner au Seigneur, de ne rien retenir. On a donné les 98% et les deux. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur les papas. Je sais, il y a la moitié de la salle qui a dit « Oh, moi, c'est plus pour moi ». Vous verrez que c'est tout autant pour vous que pour les papas. On m'a dit « C'était bien quand tu as parlé de la plus jeune maman, de la plus vieille maman, de la plus… » Bon, alors, j'ai succombé. Et je me suis dit qu'on le ferait pour les papas aussi, parce qu'autrement, ils seront jaloux. Alors, je voulais voir. Je me suis dit, qui est le papa depuis le plus longtemps? Ça fait le plus longtemps qu'il est papa. Je m'étais dit, Pépé, il avait peut-être une chance, mais Pépé Victor, il n'est pas là. Mais je pense quand même que ça va aller de ce côté-là. Il y a combien de temps que tu es papa? En 54. Ça fait 68 ans, ça. Je ne sais pas pourquoi il y a cet écho. Ça fait 68 ans, c'est bien ça. Est-ce qu'il y en a qui sont papas depuis avant 54? Bon, je crois qu'André, il a la palme. Voilà une barre d'or. Ah, s'il te plaît, avec nos félicitations. Et puis on peut se demander qui est le papa le plus qui l'a été de, le plus récemment. Et je pense que Julie avait gagné l'autre fois et que Timothée se dit zut alors. On peut d'ailleurs prier pour Divine parce que les derniers jours sont délicats. Alors je suis heureux de t'apporter aussi une barre en or. Voilà. Et puis je me suis demandé qui a été le papa le plus jeune. Il était le plus jeune quand il est devenu papa. Alors qui a été papa avant ses 20 ans? Avant 21. Avant 22. André, il n'y a pas d'ex-écho en plus. Tiens, j'aimerais bien que tu me donnes un numéro entre 1 et 12. Tu peux choisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. S'il te plaît. Merci. Et qui a été le plus de fois papa? Alors, si vous avez été papa 3 fois, levez la main. Oui. 4 fois. Gardez la main levée. Si vous... 4 fois. 5 fois. Et je suis heureux, Daniel, de t'offrir il me restait une catégorie. Et je dois choisir un numéro entre 1 et 30. On va prendre 25. Qui était le plus âgé quand il est devenu papa? Qui est devenu papa après 40 ans? Eric? Personne d'autre? Ah, Billy. À quel âge? 42. En fait.
S'il te plaît. Et je me suis dit, en réfléchissant, il y en a sûrement qui se disent, moi, ce ne sera jamais mon cas parce que je n'ai pas eu beaucoup d'enfants, je ne les ai pas eu très, très jeunes, je ne les ai pas eu très âgés, donc je perds toujours à ce concours-là. Donc, j'ai choisi une question subsidiaire. C'est pour ça que j'ai demandé 8. 8 sur 12, ça fait le mois d'août. Et 25 sur 30, 31, ça fait le 25 du mois d'août. Alors, qui a eu un enfant le plus proche du 25 août ? Quelle date ? Le 17. Le 26. Ah, oui, Joël, il n'était pas loin. Eh bien, voilà. Des papas, il y en a toutes sortes. Il y a des papas plus âgés, il y a des papas plus jeunes. J'ai un de mes amis, le pasteur Marc. Ils ont adopté, ils ont eu 2 enfants, ils en ont adopté 6, je crois. Il a 2 ans de plus que moi. Et il me dit, tu sais, on parlait avec Tina et on se demandait si ce ne serait pas temps d'adopter encore. Je me suis dit, il est soit courageux ou suicidaire, je ne sais pas. Mais quand je vois la photo, c'est magnifique. Et j'étais chez eux il y a à peine une semaine et demie. Et quelle joie j'avais de rencontrer certaines. Il y avait 3 des filles qui étaient là. C'était beau. Oui, il y a des papas âgés. Il y en a qui, un peu comme Mathusalem. Je regardais, Mathusalem, il avait 187 ans quand il a eu Lémec. À mon avis, il ne l'aimait pas beaucoup parce qu'il lui a donné un nom comme ça. Vous imaginez d'appeler votre fils Lémec ? Mais enfin. Il y en a toutes sortes des papas, des jeunes, des plus âgés, des minces, des enveloppés, des calmes, des nerveux, des riches, des désargentés. Mais Dieu, dans sa parole, donne à chacun d'entre eux le même mandat, les mêmes mandats. Alors même que la société, les milieux académiques, Hollywood, les progressistes, tentent avec ardeur de détruire la cellule familiale et d'enlever au papa tout regard, même sur l'enseignement qui est donné à leurs enfants. La Bible affirme le rôle prépondérant des papas. Dieu leur confie un mandat. Dieu a confié la responsabilité au papa. Il est question de bien conduire son foyer, de se sacrifier pour son épouse et le bien du foyer. Et je vois les dames qui donnent un petit coup de coude au mari. De tenir ses enfants dans l'obéissance, de leur enseigner à honorer Dieu. Et j'aimerais m'arrêter spécialement sur un passage. En plus, il est court. Qui sans corne ni bouc, comme on disait au Moyen-Âge, sans ambages, nous met devant nos responsabilités. Papa, Éphésiens chapitre 6, verset 4, « N'irritez pas vos enfants ». Il y a parfois des versets qu'on voudrait gommer dans l'Écriture, non ? Vous en avez, vous, que vous aimeriez gommer hors de la parole ? Moi, j'en ai. Tous les versets qui parlent de l'enfer, je voudrais pouvoir les gommer, que l'enfer n'existe pas. Les textes qui parlent du jugement de Dieu, je voudrais les gommer. Mais ils sont là et ils font partie de la parole de Dieu. Et donc ce texte, il est pour moi. Daniel, n'hérite pas tes enfants. Et je n'ai pas prévu de témoignage de la part de mes enfants. Parce qu'ils se rappellent sûrement de certains moments où je les ai irrités. C'est un mot irrité, c'est un mot que l'on retrouve aussi dans un autre passage de l'Écriture. On a le même mot en français, Colossiens 3:21, même si ce n'est pas le même mot en grec. Mais en français, c'est le même. Colossiens 3:21, « Père, n'irritez pas vos enfants » de peur qu'il ne se décourage. Ah, voilà la raison. De peur qu'il ne se décourage. Si on regarde les racines des mots, et ici, on a le mot « eretitho » qui a le sens d'énerver jusqu'au point d'amener à l'amertume, la rancune, de défier, d'exaspérer. En Éphésiens, on a cet autre mot, parorgisso,
qui veut dire vexé, fâché, irrité, provoqué à la colère. Il n'apparaît que deux fois dans le Nouveau Testament en grec, traduit deux fois en français, irrité deux fois, mais en grec, il n'apparaît que deux fois, en Éphésiens 6, 4 et en Romains 10, 19, où ça n'a rien à voir. Et ça n'éclaire pas du tout notre passage. L'apôtre Paul, comme vous le savez, vous qui avez étudié Éphésiens, a déjà traité de la colère. Éphésiens chapitre 4, il nous parle de la colère, du fait qu'on ne doit pas laisser traîner notre colère, mais qu'il faut régler notre colère avant le coucher du soleil. En tout cas, je crois que c'est une image, dans un temps rapide. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse traîner la colère ? La colère amène à l'amertume. L'amertume, la rancune. Des ponts se brisent, des murs se dressent. Et c'est très difficile. Et je crois que c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Père, ne laissez pas vos enfants aller jusqu'à la rancune par votre attitude. Ne laissez pas les ponts être brisés. Ne laissez pas les murs être dressés. Il faut que dans la famille, il y ait cet esprit. Ne pas laisser les problèmes puruler, s'envenimer, s'éterniser, s'enflammer. Si la colère perdure, que se passe-t-il ? Samuel nous parlait du diable. Satan peut utiliser cette colère qui est dans le cœur pour atteindre ses objectifs. Il exploite les tensions qui se développent dans la communauté chrétienne. Que ce soit dans le cadre de l'Église, quand un problème n'est pas résolu entre deux frères, entre deux sœurs, que va-t-il se passer ? C'est une tête de pont de l'ennemi. C'est une grenade à retardement que l'ennemi laisse dans le cadre de l'Église. Et elle va s'amplifier jusqu'au moment d'exploser. Et c'est la même chose dans les familles. Quand des problèmes sont là, mais qu'on n'en parle pas, on fait semblant que la colère, l'irritation augmente. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait toucher. Dans le cadre de la famille, les pères sont exhortés à éviter les attitudes, les paroles, les actions qui pourraient provoquer à la colère de leurs enfants. Je remarque, c'est pas tous les enfants, c'est leurs enfants. Chaque famille est d'ailleurs différente, avec des seuils de tolérance différents, avec des attitudes différentes, avec des habitudes différentes. Et ce qui pourrait très énerver dans une famille passera plus facilement dans une autre. C'est peut-être les cultures, les milieux socio-économiques qui font qu'il y ait ces différences, mais elles doivent aussi être prises en considération. L'apôtre refuse les disciplines excessives ou inadaptées, les impératifs déraisonnables, l'abus d'autorité, l'arbitraire, le manque de justice, le pinaillage, le harcèlement, la négativité, l'humiliation, toutes les autres formes de traitement qui ignorent les besoins et la sensibilité des enfants. Quand on a commencé à avoir des enfants avec Myriam, on pensait qu'il y avait un schéma pour élever des enfants, c'était très facile. On le teste au premier, on l'améliore au second, on le perfectionne au troisième, on l'applique au quatrième et au cinquième. Puis on s'est rendu compte que chaque enfant est différent, avec des seuils de tolérance différents, avec des besoins différents, avec des réactions différentes. Et qu'en fait, on a besoin de 5 schémas d'éducation différents. Et il nous arrivait, le soir, de nous arrêter et de dire, bon, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est avec Rebecca ? De quoi est-ce que Rebecca a besoin ? Comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à cela ? De quoi est-ce que Michael, Elisabeth, Joël, Timothée, parce qu'ils sont chacun différents, uniques, créés par Dieu, uniques. Quand l'irritation est au quotidien, quand les problèmes ne sont pas réglés et perdurent d'année en année, quand la colère s'installe dans une famille, la rancune et l'amertume deviennent l'air qu'on y respire. C'est un peu comme un marécage dans lequel tous sont enlisés et duquel ils ne savent pas sortir. Et c'est tellement triste. Ça commence le plus souvent par un couple dans lequel l'harmonie biblique, la gestion saine des conflits n'est pas. Ça se transmet aux enfants avec un enseignement, une discipline qui ne fonctionne pas et qui irrite. Je me souviens, c'est un cas d'école, cette famille où les enfants étaient punis et la punition, c'était presque toujours de copier le livre de la Genèse, mot à mot,
en utilisant un bic à quatre couleurs, en changeant la couleur à chaque lettre. Ça aurait de quoi dégoûter de lire la Bible, n'est-ce pas ? L'arbitraire, le difficile. Mais un système disciplinaire, il peut être trop fort dans un sens ou trop fort dans l'autre. C'est comme ces familles où l'on cède à tous les caprices. Toutes les envies sont rencontrées sans jamais entendre le mot « non ». C'est dramatique pour un enfant parce que ça va causer des dommages profonds chez l'enfant aussi. L'autorité du père est bien réelle et elle a ses limites. Et quand j'ai dit que ce passage s'appliquait au papa, mais aussi à toute personne qui est appelée à appliquer l'autorité dans la famille, ça veut dire les mamans aussi, parfois les tontons et les tantines, un peu tous ceux qui, par moment, sont appelés à appliquer l'autorité. Oui, le papa est le symbole de l'autorité parce qu'il est le papa, mais il est en partenariat avec la maman pour vivre cette vie de famille, pour construire une famille, un cadre dans lequel on se trouve bien. L'autorité du père, elle a ses limites. Et une de celles-ci, c'est de ne pas irriter l'enfant. Alors quand Timothée me disait que quand il avait un projet culinaire, il nous a dit la semaine passée qu'il aimait cuisiner, et j'ai écouté. Ben, Yaël, souvent, elle vient dans sa petite tour d'observation et elle est là pour aider son papa. Et c'est toute une joie. Et à un moment, s'il la sort de la tour, alors ça devient la tour infernale. Parce qu'elle veut rester et elle hurle à plein poumon. Et je dois dire qu'elle a des bons poumons. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne peut pas irriter Yaël, il faut qu'il lui laisse... Ah non ? Irriter, ce n'est pas suivre tous les caprices et laisser faire n'importe quoi. Mais derrière cette limite mise à l'autorité du père, se trouve la reconnaissance que les enfants, alors même qu'ils doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur, sont aussi des personnes de plein droit, avec une personnalité, et on ne peut pas les manipuler, les exploiter ou les écraser. Ce n'est que le début de la phrase. Parce que la phrase, elle dit « Père, n'irritez pas vos enfants, mais » et la deuxième moitié du verset « Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Pas l'irritation, mais par contre, l'éducation, la formation, l'enseignement. Ils sont à l'ordre du jour. Discipline, il doit y avoir. Ça veut dire qu'il y a des punitions qui risquent de tomber. Ben oui, parce que discipline amène par moments. Oh, c'est vrai qu'avec le passage du temps, il y a des types de disciplines qu'on n'emploie plus ou qu'on n'ose plus employer. On doit toujours s'en référer à la parole. Qu'est-ce que la parole nous enseigne ? Comment appliquer la discipline ? Mais comment peut-on instruire sans irriter ? Oui. J'ai rencontré des familles où le matin, il fallait se lever beaucoup plus tôt, une heure, parce qu'on avait un culte de famille d'une heure. Tous les matins. C'est spirituel, non ? Mais ça saoule, hein ? Tous les matins, c'est lourd, oui. Surtout les jours de congé. Oui, oui, enseigner, mais sans irriter. Trouver ce juste milieu. Et comment est-ce qu'on trouve le juste milieu ? En général, on en a un peu trop dans un sens et un peu trop dans l'autre. Et puis on se rend compte, c'est à peu près là, le juste milieu. Dieu avait dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant le Seigneur. Qui est le premier responsable de l'éducation des enfants ? C'est l'école. Moi, j'ai confiance en l'école pour éduquer mes enfants. Oui, c'est pour ça qu'on a tellement d'enfants à l'école qui ne sont pas éduqués. Et nos enseignants, que ce soit en maternelle, en secondaire, je ne sais pas si Mickaël est là ou si elle est à l'école du dimanche, elle est à la garderie, ben elle vous dirait, en secondaire, il y a des enfants qui auraient besoin d'une rééducation. Non, non,
Ce n'est pas l'école d'éduquer premièrement, ce n'est pas la société d'éduquer premièrement. C'est aux parents. C'est les parents qui apprennent à l'enfant les règles basiques de la vie en communauté. C'est pour ça que, avec les tout-petits, on dit « dis merci ». Dis merci. Dis merci. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'enseigner la gratitude, la reconnaissance de quelque chose qui est bien. C'est pour ça que parfois il y a un conflit énorme, parce que « dis pardon à ton frère ». Un mot, comme c'est dur à prononcer. Mais il y a ce début d'éducation. C'est pour ça que dans la famille, on donne les mains, et la petite Emma veut donner la main, et puis on prie. Pourquoi ? Parce que Dieu est au centre, et on veut le remercier pour ce repas qu'il nous a donné. C'est un peu dangereux avec Emma de prier, parce qu'elle veut prier une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et la nourriture devient froide. Mais c'est important. C'est nous, parents, qui établissons la base de l'éducation. L'école va venir et elle va donner une formation. Elle va apprendre à lire quand ce n'est pas déjà fait. Et puis les parents, ils doivent veiller à l'éducation que l'école donne. Parce que des fois, l'éducation que l'école peut donner, elle dévie sur certains points. Vous n'avez pas des vieux fers à donner ? Non ? Ok. Alors on ne va pas s'arrêter là. Les parents ont un rôle primordial, essentiel, critique. J'étais, il y a une semaine, je crois, j'étais pour un déjeuner avec un de mes amis, aumônier de prison depuis des années. J'espère toujours vous l'amener un jour pour que vous me croyez qu'il existe. Mais j'étais avec lui, on déjeunait. J'avais pris mon bol de gruau d'avoine. Et il me dit, tu sais, la situation devient terrible dans les prisons. Il y a quelques années, je te disais que quasiment tous les détenus, quasi sans exception, ont été élevés sans père. La population carcérale aux États-Unis, 80%, c'est la communauté afro-américaine, alors qu'ils ne représentent que 12,6% de la population des États-Unis. Vous voyez le décalage ? À quoi peut-on attribuer cela ? Certains vont dire c'est à cause des problèmes économiques, c'est à cause des problèmes d'éducation, c'est à cause du racisme, c'est à cause de... La première cause, c'est le manque de papa dans le foyer. Tous, quasi sans exception, ont été élevés sans papa. Ça a déstructuré dès le départ. Ça a amené un problème énorme. Et c'est même grave, parce qu'il y a des organisations aujourd'hui, vous connaissez peut-être BLM, Black Lives Matter, et d'autres organisations similaires qui poussent les droits des Noirs. Si vous lisez leur charte, ils disent qu'ils désirent la destruction du noyau familial et la fin du patriarcat, la fin du rôle du père. C'est catastrophique. On doit faire attention. Je suis totalement contre le racisme, mais je ne ferai pas le geste que BLM a rendu populaire, parce que je ne veux pas soutenir leur charte. Je me battrai pour le droit de toutes les minorités, de toutes les races, de toutes les couleurs, mais je ne vais pas m'identifier à des groupements qui désirent la destruction de la famille. Nous vivons aujourd'hui un mouvement général qui vise à détruire la famille sous toutes ses formes. Et que restera-t-il ? Mon ami Mike me disait, c'est encore pire aujourd'hui, parce que maintenant, quasiment tous les détenus qui arrivent n'ont pas eu de papa à la maison et ils n'ont pas eu de maman à la maison. Droguées, prostituées, tuées, elles s'est enfouie. Et donc, ce sont les grands-mères, les grands-pères, les tantes qui élèvent les enfants. Et vous pensez que ça n'a pas d'effet ? Mais l'effet, on le voit dans la population carcérale, où il y a un tel désastre. Certains ont même dit que pour atteindre l'égalité entre la communauté afro-américaine et les caucasiens, les blancs,
Ben, il fallait détruire la famille blanche, comme ça on serait à égalité. Ouais. C'est vraiment... Je suis dans la misère, donc venez, comme ça on sera tous dans la misère. Non, non, je crois qu'il faut investir puissamment pour fortifier les familles, pour retrouver ce lien familial, cette base. Instruction rime avec discipline, en corrigeant, oui. La correction est nécessaire car trop de grâce détruit. J'étais avec Mike et je lui dis « Comment ça va toi ?» Il me dit « Je n'en peux plus. » J'ai fait funérailles sur funérailles sur funérailles. Je dis « Waouh !» Et il n'est pas pasteur. Il est aumônier de prison. Il me dit « Ça a débuté avec un des membres de notre conseil d'administration. » En général, les membres des conseils d'administration, ils ont des positions élevées et des moyens élevés. Et cet homme me parlait des problèmes avec son fils aîné. Il m'a dit, oh, ben, je vais le voir. Et donc, il a organisé un rendez-vous, il s'est assis en face, et il a parlé avec le fils, puis il est revenu vers le papa, il s'était dans un restaurant, et il a dit au papa, ton fils, il est drogué. Il prend diverses substances. Le papa s'est levé d'un bond. Il l'a regardé, il était prêt à lui taper dessus. Puis il s'est rassis et a dit, mon fils, c'est pas possible. Mon fils ne ferait jamais ça. Dans la semaine qui a suivi, son fils s'est fait arrêter et il était en possession de stupéfiants et un peu éméché. Il avait aussi trop bu. Et le papa a dit, oh, c'est une fois comme ça. Il a été devant le juge. Le juge l'a condamné à un temps de prison, conduite en ébriété et possession de stupéfiants et consommation. Et il lui a dit, ben, à la place, tu peux aller en centre de désintox. Donc, avec les parents, on a mis le fils en centre de désintox. 3 jours plus tard, maximum, il s'était fait prendre avec de la drogue en centre de désintox. Qu'est-ce que ça veut dire? Retour case prison. Il a rapidement pu sortir de la prison. Et puis il téléphone à Mike, le papa, et lui dit « Mon fils est mort. » Overdose. Un papa qui n'a jamais voulu admettre que son fils avait besoin de discipline. Un papa qui était fâché quand le juge l'a renvoyé en prison, qui criait à l'injustice. Un papa... Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ils avaient un deuxième fils. Et Mike a dit au papa, il a tous les signes d'un drogué. Oh, c'est pas possible, c'était mon premier fils. Les parents tombent. Non, il y a une descente de police. Et la police trouve de la drogue dans la chambre du deuxième fils. Deuxième fils, qu'est-ce qu'il dit? Je les gardais pour mon frère. Et les parents disent, « Oh, c'est vrai, parce que notre fils ne nous mentirait pas. » Notre fils n'est pas un menteur. Je dirais, « D'accord, votre fils n'est pas un menteur, mais il lui arrive de mentir. » Ça arrive. Nos enfants ne nous disent pas toujours toute la vérité. La maman commençait à douter. Et Mike a dit, « Allez, donne-moi 2 cheveux. » Et je pourrais te dire ce qu'il prend, en quelle quantité et depuis quand. Non, j'ai confiance dans mon fils. Quelques jours après, la police a téléphoné à Mike et a dit, est-ce que tu peux contacter tel? Parce que son fils vient de mourir sur l'autoroute. Il était sous l'effet, sous l'influence. Il a eu un premier accident, sa voiture a fait un tête-à-queue et un camion l'a rencontré pleine face. On dit beaucoup aujourd'hui, il ne faut pas interdire, il ne faut rien empêcher, il ne faut pas discipliner, il faut... Ce monsieur et cette dame, combien ils doivent regretter aujourd'hui de ne pas avoir à un moment serré la vis, de ne pas avoir amené de discipline.
Même si on a les moyens de donner beaucoup de choses à nos enfants, ce n'est pas une raison pour le faire. Comment est-ce que nos enfants vont apprendre l'épargne, l'attente de la satisfaction d'un désir? Vous savez que c'est important d'apprendre l'attente de la satisfaction d'un désir? Et comment est-ce qu'on fait ça? Oh, mais oui, je peux te le payer, ton vélo. Non. Si tu atteins tel et tel point à l'école, et si tu mets autant de côté, alors tu pourras avoir le vélo. C'est à nous, parents, d'inculquer ces choses. Vous croyez qu'on va les apprendre, on va leur apprendre à l'école, ces choses-là? Je lisais un sondage qui disait que la plupart des universitaires, il leur manquait les notions de base de la gestion d'un budget. Ce sont des universitaires. Où est-ce qu'on va apprendre la gestion d'un budget si ce n'est pas dans les familles? On va confier. Oui, instruction rime avec discipline. La correction qui est pour l'enfant. Si je me mets à discipliner un enfant parce que je suis fâché, pour qui est-ce que la correction est? Elle est pour moi. Elle n'est pas pour l'enfant. C'est pour me soulager. Je suis tellement énervé parce qu'il a, gratté la peinture de la voiture en essayant de nettoyer la voiture avec une éponge qui venait du bac à sable. Véridique. Non, on discipline pour l'enfant. On prend le temps de se calmer et on discipline pour l'enfant, en parlant avec l'enfant, en expliquant avec, d'une manière qui est appropriée à l'âge, qui est appropriée à la faute. Les enfants ont un énorme sentiment, un sentiment exacerbé de justice et d'injustice. Et ils vont très vite ressentir la différence. Une correction, cependant, qui n'oublie jamais la grâce, qui n'oublie jamais le besoin d'amener la grâce dans toute situation. Mal instruire va irriter quand les règles sont peu claires, changeantes, injustes. C'est ce qui nous a causé à beaucoup d'entre nous un sentiment de révolte quand on a vu la fin du championnat de Formule 1. Parce que, semblait-il, à la dernière course, les règles ont été appliquées de manière qui n'était pas correcte, pas équitable par rapport à l'ensemble de la saison. Et ça a changé les résultats et ça a décontenancé dans nos familles. Est-ce qu'un jour on peut faire ça et un jour on ne peut pas le faire? Est-ce qu'un jour ceci s'est permis et puis le lendemain on est puni parce qu'on l'a fait? Si on vit avec cela, ça ne fonctionnera pas. Il faut des règles justes, constantes, appliquées à l'âge. Je me souviens d'une famille où les garçons devaient, les filles devaient être au lit pour 8 heures, même adolescentes, mais les garçons pouvaient rester bien tard le soir et regarder la TV jusqu'à 11 heures. Juste? Non, ce n'est pas juste. Pourquoi? Il faut des règles adaptées, des règles qui ne changent pas. Je sais, adaptées et qui ne changent pas. Des règles constantes, mais qu'on adapte aux circonstances et à l'âge. On ne va pas punir un enfant de 4 ans de la même manière qu'on punit un adolescent. Une discipline, mais qui est toujours remplie de grâce et qui est basée sur une relation. Vous savez que l'instruction sans relation, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Si l'enfant ne sait pas à quel point je l'aime, il n'entendra pas l'instruction. Il ne recevra pas la correction, la discipline. Pourquoi? Parce que l'amour doit être là au départ et constant. Il faut pouvoir écouter l'enfant. Il faut pouvoir discuter avec lui. Instruire sans démonstration, cela irrite. Laissez-moi conclure avec cela, parce que notre temps se termine. Si je prends un gros livre, un gros manuel sur une Ferrari, et j'amène une carrosserie de Ferrari, et je te donne le manuel, est-ce que la carrosserie va rouler ? Pas s'il n'y a pas de moteur. Je veux peut-être transmettre mon héritage chrétien, la formation que j'ai reçue, les principes que j'ai reçus, mais s'il n'y a pas dans ma vie et dans la vie de mon enfant un moteur qui est prêt à ronronner,
ça ne fonctionnera pas. Le pire, c'est les règles du christianisme sans le Christ au centre. Ça ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas le Christ au centre, et non seulement il faut un moteur, mais il faut du combustible pour le moteur. La relation avec le Saint-Esprit d'une manière constante, un contact. Si je veux pouvoir instruire mes enfants, si je désire que mes enfants reçoivent ce que moi j'ai reçu, pour moi c'était important. Mon grand-père marchait avec le Seigneur, mon père marchait avec le Seigneur. J'ai cherché à marcher avec le Seigneur. Mon désir, c'est que tous les enfants et les petits-enfants marchent avec le Seigneur. Mais si je veux, il faut que la vie passe, pas seulement le fait d'être chrétien, que la vie passe. Ce n'est pas comme une nationalité qu'on peut transmettre et peu importe ce qu'on en fait. C'est une vie vibrante, une relation. Oh, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je sais que vous ne les entendrez plus parce que le temps est passé. Alors c'est mieux que j'arrête. Dans Matthieu, chapitre 23, il est dit « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Tu sais, moi je veux que tu sois un chrétien. Mais papa, tu vis la vie chrétienne, toi ? T'es engagé, t'es consacré, t'es dedans, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est important parce que je veux que tu l'aies. Non, il faut d'abord le nourrir dans son propre cœur. Et puis alors, on dit souvent que le christianisme, on infecte plus les gens que ce qu'on leur enseigne. C'est pas cela ? Alors, le dernier point, je vais quand même vous le donner alors que je m'en vais. Si vous voulez pouvoir instruire vos enfants, papa, la première chose à faire, aimez votre femme comme un fou. Ça crée l'ambiance. Amen. Et bien voilà, nous allons terminer donc cette rencontre avec le dernier chant et je vais vous proposer de vous lever pour le chanter. Et pendant ce chant, bien sûr, nous aurons l'occasion de donner l'offrande, nos dîmes, nos cadeaux à notre Dieu.
souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortis de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient à notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa foi baptisée par l'Esprit. Et ses vérités anciennes subsistent. Dimanche à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Attendez un tout petit peu parce qu'il y a un cadeau pour les papas et je crois que Michael va nous donner les instructions dès qu'elle se sera déchargée. Ah, il faudrait que les enfants arrivent. Alors surtout les papas, si vous voulez votre cadeau, ne partez pas. Ok, on est parti chercher les enfants. Parlez un petit peu là où vous êtes, ça fait du bien. Communiez autour de vous. Et les enfants vont arriver dans un instant. Ou alors on reprend le chant qu'on chantait. Oui, ma grande. Alors les enfants vont apporter au papa un petit cadeau. Ici. Par ici, Lisa.